Oh bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, en compagnie de Boobies. Ça va mon Boobies? Ça va et toi? Ah bah ça va nickel, ça va nickel. Un nouvel épisode, en fait la suite du précédent. On va chasser du crâne, ah. Monsieur. Devil Ridge. J'ai un petit air de pipe et jambes de bois. Devil Ridge, je crois que s'il y, y a un trône d'ailleurs, si tu veux le prendre, à Devil Ridge. Snake Island, je crois que c'était le deuxième. Et Snake Island. Ouais. Écoute, et on, nous allons... on va à Devil Ridge, comme ça tu pourras prendre le trône de Devil Ridge. Excuse-moi. Okay. De Devil Ridge. Genre, je te reprends sur Snake Island, mais je dis la même chose. Ouais. Mais c'est quoi musique ou je t'aide trône, mon ami? Bah, tu verras. Je te montrerai. D'accord. Pleine voile, là. Pleine voile, monsieur. Alors, avant d'aller sur Snake Island, on ira faire directement le trône. Ok? Alors, excuse-moi, je m'avais pile derrière toi parce que sinon je sais que t'as plus de la musique dans un écouteur que dans l'autre. Voilà. Non, écoute, donc ça là va. Tu l'as pile nickel. Moi j'adore. Alors. Regardez ce ciel bleu. Ah non, c'est une voile. Désolé. Loup de mer d'or. Ah oui, t'as le grade juste après moi en fait. T'as le grade level 30. Ouais. Yes. Ah non, bah, d'ailleurs pas juste après moi, parce qu'il y en a un entre deux. Il y en a un à 25 que j'ai pas. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi j'ai convoyeur d'or. Ah bah oui, j'ai un nouveau grade, ouais, pour le... Et moi j'ai quoi comme grade d'ailleurs, affiché? Convoyeur d'or. D'accord. Tu veux que je te mette le somme? Pourquoi? Ah, parce que je suis tombé à la mer. Au revoir. Pourquoi tu sautes tout le temps? Je comprends pas. Parce que je vise mal. Mais je tiens la note, moi. Je tiens la note. Pam, 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 pam. C'est Devil Ridge droit devant? Yep. Tu pars au sud de Devil Ridge. Au sud? Ouais. De l'île. Ok. Pam, à vos ordres. Pam, 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 pam. Alors. Alors j'arrive à bord. Le problème c'est que moi j'ai des temps de chargement inadmissibles, mais bon. Donc on aura une statue à faire là. Excuse-moi. D'accord, à droite. Là, je l'entends. Et t'es pas au sud là? Je vais au sud. Ok, tu veux qu'on s'arrête faire la statue? Et il y en a une deuxième là. Bon bah vas-y, arrêtons, on va faire des statues. Hein. Vas-y. D'ailleurs, on a plus d'une parce que je vois un truc en jaune qui brille. C'est une statue jaune, non bleu. Pas de statue jaune. C'est la bleue. Allez. Voilà, bleu c'est facile à casser. Allez, on y va, on la tabasse et on n'en parle plus. Voilà. Ok. C'était bien. Ensuite, il y a une statue un peu plus loin. Donc, j'ai conjureur de malédiction du saphir. Hop, on fait le plein. Ah, j'ai promotion conjureur de malédiction. Bon, ok. Il y a la statue là-bas si tu veux la faire. Attends, il n'y en avait pas une là? J'ai vu un truc jaune qui brillait là-dessous. Dans cette direction. Je sais pas où, je sais pas de quoi tu me parles, mais... Il y en a encore une là-dessus, là? Je sais pas, j'ai vu un truc jaune qui brille. Regarde là. Là, regarde derrière nous. Vers le bateau. Ah, c'est peut-être une bouteille à la mer. Oh, c'est une bouteille à la mer. C'est une nouvelle quête, mon Boobies. C'est une quête de plus, mon Boobies. Ah non, c'est une carafe. C'est une carafe dorée. Ah, bien vu, je l'avais pas vu, ça. Moi, tu sais, le loot... avant que je rate du loot... Ah, tu sais, les gens sur Comdab ils sont habitués. Bah, du coup, même toi, t'es habitué à ce que je sois un crevard, quoi, hein, finalement. Je suis un type dans la vie, j'ai pas d'argent, mais dans les jeux vidéo, j'ai beaucoup de pognon. Je t'invite à me suivre. À la nage? Ouais. T'es où? Merde, t'es où? Tu descends du bateau et tu suis la plage sur la droite. Sur la droite, ok. J'arrive. Ah oui, on fait des capitaines. On va peut-être se faire... Oh, bah y'a un truc qui brille dans l'eau. C'est ça? C'est une statue bleue?
C'est une statue bleue. Oui, bravo. Bravo, monsieur. Attends deux secondes, je check s'il n'y a pas un trésor. Putain, j'ai du mal avec ma souris, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est ma souris vraiment qui est au bout de sa vie. Ok. Promotion tenue conjurateur de malédiction du saphir. Ok. Le serpent, tu dégages. C'est un serpent doré, ça vaut du fric. C'est valide. Oula. Ah. C'est valide. C'est con, il est inscrit pile au moment où tu viens. C'est moche, hein. Ok. Attention, 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 attention. Je suis vivant, mais c'est tout juste. Ils font bobo. Moi, j'ai eu très mal. Hein. Il y en a un autre qui arrive avec des bidons là. Oula. Bon. Bobsa est décédé. Oui, oui, je vois ça. Je vois que tu es décédé. Mais t'inquiète pas, je vais pouvoir gérer le reste en attendant. Donc c'est vraiment pas le bon point de les faire au tromblon. Hein. Non, c'est pas ouf. En sachant que si t'arrives à lui mettre une balle dans la tête, bah, tu peux récupérer son mari, le mec. Ah, ça t'es intéressant par contre. Oui. J'ai plus de bananes. Oh merde. Oh oh. En fait, on est tombé sur un événement de type capitaine. Oh, les deux ont popé en même temps. C'est du CFCS ? Oui. Oui, ouais. Bonjour. Présente-toi, bonjour. Dis bonjour à YouTube. Je suis mort. Bonsoir. Salut YouTube, hein. Salut YouTube. Gale. Bonsoir YouTube. Oh, je suis mort, mon boobies. Je suis mort. Et deux capitaines. Et je pense que c'était les capitaines. Vous faites quoi exactement, du PVP? Là on fait de la quête. Ah d'accord. Parce qu'il y a des petits statuts, tout ça, si tu veux nous rejoindre, t'es le bienvenu. Bah je me serais dit oui, mais j'aurais bien voulu faire du PVP. Du PVP? Ah, c'est aussi ouais. Ah, deux capitaines. C'est ça le problème, hein. C'était super contre un américain. Pourquoi pas, hein. Parce que ça nous est déjà arrivé de trouver des ricains, hein, mais ça s'arrêtait là. Bon, bah écoute, tu nous rejoindras juste après, ça te dit? Alors. Moi, je vois que ce qu'ils font sur Civilization et s'ils font pas des trucs intéressants, j'arrive. Okay. On fait toujours des trucs intéressants. L'argent, c'est intéressant. Les statues, non, t'as fait les statues? Je parle pas de vous, hein, je parle de. Je dis, si eux ne font pas un truc intéressant, j'arrive. Waouh, genre nous on pue le pâté quoi. Tu parles de Mashkit, c'est ça? Mashkit et tout, ouais. Mais le truc c'est que. Pour YouTube, c'est que. Mashkit c'est le traître, voilà. Faut préciser, Mashkit c'est un traître. Tout le monde le saura. En fait, j'ai envie de jouer avec eux, mais. Chérie et moi on n'est pas compatibles en fait. Ah. C'est le problème. Et bah viens avec nous, nous on s'amuse, on tabate des squelettes qui s'appellent. Il y a pas des vidéos sur YouTube en ce moment même. Exactement, en ce moment même. Donc en fait, t'emmerdes YouTube si tu nous rejoins pas. Donc tu nous rejoins ou pas? Sinon, t'emmerdes YouTube. YouTube, nice, il hein. A dit. Parfait. Genre, t'es en live sur YouTube là? Oui. Enfin, en live, non. En rediff, oui. En rediff. T'es mort, mon boobies? On fait des VOD. Moi, je fais des VOD. Ah non, mais. Okay. Non, non, monsieur. Non, non, monsieur. Non, 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 monsieur. Je vous jure, monsieur, non. Quel? Les squelettes avec des tonneaux, c'est quand même des putains de communistes. Tu les tuer comment déjà ces sacs là? Les quoi? Les squelettes là, avec les tonneaux. Faut leur tirer dessus ou. Comme d'hab quoi. Je suis pas un pro de Sea of Thieves. My bad. Mais écoute, je vais vite savoir ce qu'ils font et j'arrive. Vas-y. Ah mon cher ami, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Garfang? Oui, excuse-moi, quel 16? Que fais-tu là? Tu es où? J'attends pour aller récupérer un crâne. Il y a plein de squelettes, c'est un peu compliqué.
pourquoi le bateau tourne. Je ne sais pas. Ah, as-tu pensé à déposer l'ancre? Non, c'est pas le justement c'est ce que je veux pas faire. Alors. Ok. Bah on a nos deux crânes à récupérer. En voici un. Où ai-je laissé l'autre? Ah, l'autre est juste derrière le caillou. T'as lâché l'encre? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais me les faire au canon, mais je crois que... Je les ai réglés. Il y a un autre crâne à les ramasser. Tu fonces sur l'île, là. Je sais, t'inquiète pas. Tu fonces sur l'île. Tu fonces sur l'île. Ok. Non, tu vas trop loin. Ah oui, je le vois. Nice. Okay. Caché derrière le caillou. Snake Island, d'accord. On va d'abord faire le tour de cette île pour que je puisse te montrer le trône. Et que tu puisses surtout m'expliquer à quoi ça sert aussi. Bah ça te rapporte des points. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te rendre jaloux. J'arrive. Je m'en voudrais quand même. C'est où? C'est où? Ça va être là. Hop là. Tatouage, non, on s'en fout. Non, tatouage, on s'en fout. Oula. Ah, mon cher ami, n'utilise pas le canot comme je l'ai placé car j'ai traversé toute l'île. Bravo. C'est pas là non plus. Bah c'est où? Bah. Me revoilà. Heureux, petite Raze. Soir. Il faut que j'ajoute un doux sur Xbox du coup. Oui. Yep. Mais pas tout de suite. Tu rajouteras Boobies parce que moi je peux pas switch d'écran. C'est la règle. Bah bravo. Bon. Oui, c'est la règle. Je te félicite pas trop. Je n'ai pas le droit. Maître des trônes. Voilà, ah, monsieur. J'ai trouvé une caisse de bois. C'est qui le capitaine? C'est Boobies. Boobies. Capitaine, capitaine! Vous n'êtes pas le capitaine! Ah mais attends, ça veut dire qu'il faut recommencer une session. Absolument! Ça reviendra, non, en fait, ça reviendra. Forcément. Pour l'instant, t'es en audio, c'est bien. Tu peux demander à YouTube de mettre des pouces bleus. YouTube, mets des pouces bleus! Je ferai même un petit beatbox, si vous voulez. Ah oui, carrément, quoi. Putain, t'es plus cher. T'arrives, Jean-Claude? Combien de... Tu me cherches quoi? Combien de views tu as? De quoi? Combien de viewers tu as? 156. Actuellement là? Oui. Parfait, parfait, parfait. Je suis vache, je dois toujours leur donner... je dois toujours leur offrir quelque chose. Mais pour ça, il faut que je croise les musiques. Oh, le petit cochon! Oh, le petit cochon qui vient avec la petite caisse à bois. GG, beau gosse. Rare trésor vaste, richesse faste, héritage des légendes pirates. Wow. T'avais pas un truc à montrer là-dessus? Oui, si, ça arrive. C'est pour ça que c'est moi qui tiens la barre, monsieur. Ah, y a un truc qui a brillé? Ah non, j'ai cru. Ah, si tu vois un truc qui brille, t'hésites pas, tu plonges, tu vas le chercher. Sinon, tu peux remplir ta caisse à bois, je te conseille de la mettre à côté du bois. Ça rapporte vraiment beaucoup d'argent, ça? On s'en fout, ça rapporte de l'argent quand même. Ok. Des pognons, c'est du pognon. Des planches de bois, c'est gratuit. On en trouvera d'autres. Ok, ah oui, par contre, je m'excuse d'avance, j'ai un pseudo pourri parce que en fait le jeu a bugué et j'ai dû prendre un pseudo aléatoire et je peux pas faire mon changement de pseudo. Quoi? C'est chelou parce que d'habitude c'est basé sur un compte Microsoft. Genre moi oui, je m'appelle Etaval parce qu'à l'époque où j'ai écrit mon pseudal, enfin ce compte là tout du moins. Bah malheureusement je m'appelle Éclairsemon741. Allez maintenant on arrête et on invite s'il vous plaît. Comment tu t'appelles? Éclair Saumon. c'est original pour le coup. Fuck my life. So, qui j'ajoute et comment? Je vais le faire. Je ne t'ajouterai jamais.
Parfait. Éclaircement. Tu me l'écris et je le copie-colle et je t'invite. Alors ne bouge pas. Tu vas être subjugué. Oula, on s'est pris un boulet. Oui, on s'est pris un boulet, mon capitaine. Je te l'ai écrit, un boulet. Sloop à naviguer sur un boulet. Et je n'appelle pas. Et je parle pas de boulet, je parle pas d'éclaircement. Nickel. Alors, mon cher ami, tu devras patienter car je dois réparer le bateau. Hop là, okay. Voilà. Tac. Dès que nous sommes amarrés, je m'occupe de toi. Tu me l'as déjà envoyé le truc? Attends, tu m'as déjà envoyé le truc. J'espère que le pseudo éclaircement 741, c'est original. J'espère que vous appréciez tous les épisodes de Sea of Thieves toujours tournés autant à l'arrache, à des heures indécentes. Des bisous. Pourquoi je ne te trouve pas? Tu ne me trouves pas. Dis-moi comment on ajoute, enfin, comment on fait pop la liste d'amis dans ce truc là. Normalement, c'est ton compte Xbox. Ah, mais. Certes, mais comment je l'active justement? Dans Xbox, si je marque Xbox dans Cortana, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, tu vas dans ta liste de. Dans la liste du menu démarrer et tu dois avoir une application Xbox. T'es au courant qu'on vient de faire le tour de l'île là? T'es sûr? Application approuvée par Microsoft Store. Presque, ouais, pour le coup, on a presque fait le tour de l'île. On a fait le tour de l'île en fait. Ah oui, clairement. Il y a un récif en face de nous là. C'est juste là. D'optique. C'est une illusion d'optique. Ne le regarde pas, il n'existe pas. T'es sûr, tu veux pas un peu freiner là? Non. Il y a que les Tarlous qui freinent. Nickel. Okay. Alors, je suis là. Bon, et. Ça passe, putain. Et du coup. Voilà. Ok, du coup, je dois. Je me suis trompé, c'est sur Thieves Haven qui a le trône. Ami et club. Merde. Je m'en veux. Je suis désolé, chaque fois je suis sur Divis Ridge. Bon, c'est quoi la suite? Ajouter un ami. Et ensuite, maintenant. Ah, y'a un truc qui brille, y'a un truc qui brille. Oh, vite, jetez l'encre. Là, je l'ai vu. C'est une caisse. Y'a une caisse. Non? Et ensuite, comment je fais? Et ensuite, tu m'as accepté? Je t'ai accepté, ouais. Boobies, il faut qu'on crée un galion. Boobies, effectivement. Boobies, il est où le truc qui brille? Continue le long de la plage. Bah, go créer un galion. Ouais, alors attends, deux secondes. Ah oui, je l'ai vu. Je le vois. Ah d'accord, vous laissez un marin dans l'eau. Hein. Tu veux dire un marin qui voulait jouer avec d'autres personnes? Oui. Alors, pas du tout. Chut, tu n'as pas le droit, tu n'as pas voix au chapitre. Pas du tout. Tu as mal compris. J'ai trouvé deux choses, monsieur. La bouteille qui brillait et une caisse. Ah bah c'est la caisse de bananes qu'il faut emmener. Ok. À l'avant-poste Plunder, le 30 avant 5h. Parfait. Oh, magnifique. Eh bien... Avant-poste Plunder. Eh bien, à moins qu'il nous reste un autre capitaine à aller casser, sinon je te propose de rejoindre l'avant-poste plein d'air. Comme ça, nous pouvons chercher notre ami... C'est pas mon ami. C'est un saumon, ce n'est pas mon ami. Nickel, hein. Et il préfère les gens qui jouent à The Division. Alors, pas du tout. Non, ce n'est pas mon ami. C'est quoi ton pseudo sur YouTube? De quoi? Ton pseudo sur YouTube? Ah bah c'est Knarfang. Le même que sur Discord. Alors je vois un événement qui vient de pop. Ah, on n'avait pas tourné la gueule par avant. Ah bah ça c'est monsieur, c'est le problème d'avoir levé la voix là-bas. Ça passe, je crois qu'on a pas le choix. Du coup, le temps que tu relances et tout, j'arrive. Ça ponce un peu monsieur, ça ponce un peu. Hein. Je vous cache pas que... Non, on n'a pas touché là, non. Si. Non. Bon, moi il me semble pas, j'ai rien entendu. Oui. Et tu m'entends pas du tout que des planches. C'était un séisme marin. Ça doit être ça. Un coup de tonnerre. Mais dis donc, Knarfang, pourquoi tu utilises des planches? Je comprends pas. Parce que j'aime bien, ça fait joli.
Ça rajoute une petite touche au bateau. Il faut aller tout droit. Putain, on a pris 4 trous quoi. Sérieusement. Attention, non c'est bon. Un événement a pop juste à côté de nous. Ce que t'appelles un événement. Crâne ? Un crâne. Ah c'est pas grave, on ira le faire après. Faisons la bouteille et finissons notre quête. Donc la caisse de banane. Il y a un boulet qui vient sur nous. Hein, caisse de banane. On a pas de caisse de banane. Si c'est une caisse de banane. Non, c'est une caisse de bois. Bah on est baisé. Non mais il faut ramener une caisse de banane. Oui bah ça c'est baisé. Il faut avoir la caisse de banane. Ça c'est baisé. C'est baisé. Moi j'ai trouvé une caisse d'épices. Ah ce système de stockage qui est nul. Système de stockage qui est très nul. J'invite au vent à changer de direction. Je te laisse gérer. Je suis en train de remplir une caisse de bois. Parce que de toute façon ce navire va dégager. T'as du bois sur toi ou pas? Ouais non mais tu peux vider le... Parce qu'on risque d'être vite à court en fait. Disons que ça va être juste. Stock. À 33, 22... Ouh, c'est chaud. Il va nous manquer 5 planches je crois. Combien? 5 planches. On les trouvera sur le quai. Au pire. Ben non, il nous manque aucune planche. On est parfait. On est parfait, j'ai rien dit. Je ne sais pas compter, c'est tout. Ouah, c'est joli. Est-ce que ça te donne envie, ça? De quoi? Le soleil levant? De faire de la musique? Oui, toujours. Mais d'abord, j'aimerais savoir où on va. À Snake Island, d'accord. Trois capitaines! Je suis fatigué. Je suis là. Ce crâne pour tellement un autre épisode. Tu pourrais d'ailleurs décliner ton identité pour YouTube, mon cher ami. Je m'appelle Traze. C'est Traze. C'est le second éclair. Mais YouTube me connaît déjà. Hein? YouTube te connaît déjà? Et tu es toi aussi un frère YouTuber? Je l'étais, il y a quelques années de cela. Oh. J'arborais de sentier en sentier mon drapeau. Et Call of Duty. Et t'as fait... Ah, t'as fait. Alors, du Call of. Tu fais de la compétition. Du coup, j'avais une chaîne... Et du coup, j'avais une chaîne avec un ami à moi qui ne fait pas de compétition, c'est pour ça que l'équilibre marchait bien. Et comme ils étaient intéressés par la compétition, comme l'ESL n'était pas très connu à l'époque, et bien voilà, tout simplement, je montrais l'envers du décor. Et comme nous avons gagné un championnat de France, moi et mon équipe, enfin mon équipe et moi-même, pardon, et bien voilà, on est heureux. D'accord, c'était cool alors. Est-ce que c'était une bonne expérience? Génial. C'est une belle expérience et d'ailleurs, je reviendrai. Ah, tu y reviendras. Absolument. Hein. D'accord, parce que je crois savoir qu'il est plutôt chaud de décrocher de la compète et d'y revenir en général. Alors, pas forcément quand on est bon. Et en plus de cela, je ne reviendrai plus sur ce jeu et plus pour faire cela. Mais je reviendrai sur YouTube. Il y a un bateau, mon capitaine. Ça, c'est sûr. Donc, il y a deux bateaux. Sache deux bateaux. Que tu peux compter sur moi pour éventuellement t'aider à remettre le pied à l'étrier. C'est un grand plaisir que nous partagerons. Écoute, ta future chaîne. Écoute, c'est très gentil. Hein. Oui. Deux bateaux à bâbord. Hein. Deux bateaux à bâbord, je répète. Parce que je l'ai cherché depuis tout à l'heure. Deux galions à bâbord. Il y a un galion à l'avant-poste Splendor et un galion à gauche aussi là. Bon, je pense qu'ils sont en train de PVP leur gueule, hein, tranquillement. Non, non. T'es sûr? Non, mais l'autre bateau est beaucoup plus loin là. Oh, il y a moyen de faire le requin avec eux. Oh putain, il y a des mouettes ici. Je ne te trouve pas. Probablement une... Et surtout une île en face. Oui, on va se prendre une île, droit devant. Elle s'appelle Paradise Spring.
ça mérite de mettre ça en musique. T'as vu qu'il y avait un jacuzzi dans celui-là? Qu'il y avait quoi, un jacuzzi? Ouais, il y a le petit bain et tout dedans là. On est bien là. D'accord. Je ne te trouve pas. C'est vrai? Tu ne me trouves pas? Patience et mère de sûreté. Non, mais je suis dans les lives. Knarfang. La Knarfang sur YouTube? Tu ne me trouves pas? Ouais. Non. T'as fait une faute d'orthographe. Oui, mais c'est pas la chaîne, c'est pas Knarfang. Non, c'est comme d'habitude gaming, mais bon, tu trouves moi. Ah, c'est vrai, ça je l'avais trouvé comme d'habitude. Bien sûr que tu l'as trouvé. Mais comme je dis aux gens, puisque comme d'habitude gaming, c'est un peu compliqué à intégrer comme données, tu tapes Knarfang, t'es sûr, tu trouves que moi. Y a pas de. Bah, tu tombes pas sur Claude François, rien, non, tu tombes sur moi, y a pas d'erreur possible. Parfait. Alors les deux bateaux vont se foutre sur la gueule. Ah oui, ils se tirent dessus, mon ami. Je t'avais dit. Ils se font des bisous. Ah, du coup, tu tournes ta rediff et ensuite tu la balances. Exactement. Puisque je ne fais pas de live sur YouTube. Et que je n'en fais pas non plus sur Twitch. D'accord. Ouh là là, regardez mon cher ami. Les gens qui sont des canons là-bas. Mmh. Ouais. Ça. Clairement. Ouais. Surtout, ne vous aidez pas à faire le requin, bande de cons. Vous êtes tellement. Sinon, je suis disponible, hein. Oui, patience. Ouais, patience et droite, mère de sûreté, ne te lèche point de vie. Musique. Pipi, jambes de bois. Pipi, jambes de bois. Alors, je vous propose de les faire. Alors, est-ce que c'est encore un bateau qu'on voit là? Ne dis pas que c'est encore un bateau. Hein. Je me vénère. Le bâtal. C'est un caillou. Un caillou. Je fatigue. C'est chiant. Un faux usage de faux, monsieur. Tu n'as pas le droit de fatiguer. Ah bah malheureusement. Ah l'âge, la vieillesse. Je crois qu'en fait je vais aller. Que tu veux ralentir la vitesse du bateau. S'il te plaît. Dans mon oui, bien lit. Sûr. Mais non. De beaucoup. Tu n'as pas le droit. Maintenant que tu as embêté YouTube, tu vas venir faire un épisode. Ah non! Oh, il y a un truc qui brille devant. Oh, il y a un truc qui brille devant. Demain, je serai disponible. Une statue verte. Et demain, je ne suis pas disponible. Demain, c'est la journée de la tournée de. Oui, c'est une statue. Oula, je suis tombé. Qu'est-ce que donc? Demain, tu peux tirer l'ancre. Hein. Tournons. Je suis aussi à l'eau. Ah merde, le bateau va tout droit là. Oui. Bon. On va s'en occuper plus tard. Je commence à taper la statue si tu veux arrêter le bateau. Ah, attends, je préfère taper la statue. Voilà, ce bateau, seul. Ce bateau vient de faire un tout droit sur un banc de sable. Non, c'est une impression. Ça va être ça. Ok, cherchez bateau. Demain, ça tourne du cendre, donc du jeu de rôle, sur Roll20. Donc tous ceux qui regardent cet épisode, sachez que demain, vous aurez du cendre sur Roll20. C'est magnifique. C'est le moment. Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un galion qui nous foncera dessus. Mauvaise idée. Cassons-nous. Allons vendre notre butin et allons chercher un autre matelot. Je suis prêt. Attends, c'est pas encore sûr. Je suis prêt à faire une croix sur mes quêtes. Du coup, je m'en vais m'enterrer dans mon lit. Dans un petit trésor. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne vague. Ah, tu t'en vas du coup? Ouais, je vais tomber là, je le sens. Je pique du nez. Waouh. D'accord. Sorry. Et ben, plus tard alors. Des bisous. Ouais. Des bisous. Et bien voilà, nous sommes plus que deux pirates. Mais il va falloir casser du squelette du coup, c'est ça? Ouais, attends, je surveille passer. Juste le galion qui passe là. Trois squelettes sur Snake Island. Oh, je le sens pas, les trois squelettes. Mauvais deal. Très. Alors je crois qu'ils vont tous à l'événement. Ouais, ça m'étonne pas, c'est des galions. Un galion à l'événement, et le deuxième il va aussi. C'est ça, le deuxième qui va le poursuivre. Enfin bref, ils se font l'amour entre galions quoi. Ils voient l'événement. Oui, c'est ça, c'est des galions. Ok. Ah, un panier à serpent. Ah, c'est le moment de récupérer un serpent, il y en a plein. Il y en a plein? Bah oui, on est sur Snake Island, monsieur. Et ah, donc il y a plein de serpents. Il y a plein de serpents et plein de cochons, et je viens de trouver une cage à poulets.
ça ne sert à rien. Mais on aime beaucoup. Oh, ma tisane va être prête. Je te rappelle que c'est le serpent jaune qui vaut le plus de fric. Le serpent doré. Et après c'est le noir. J'en ai en face de moi d'ailleurs. Oula, oula, oula. Je crois que j'ai trouvé les capitaines. Est-ce que tu aurais besoin d'aide? Ça c'est possible, mais bon, je serais mort d'ici là. Décaté. Boîte à tisane. Je te vois. Ça peut tard. Hein. Non, ça va. Il y a la suite qui arrive. Il y a la suite. Juste là. Oula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 . Comment tu le vis? Il est chaud. Là, tu as un flingue. Ah non, ce n'était pas un flingue. Et un serpent me pique, bien sûr. Comme si ce n'était pas. Oui, moi aussi. La situation était. L'effet du Plunderpearl, quoi? C'est quoi ça? Ah oui, cœur l'a tué. Ok. Il y a un crâne là. Je vais le mettre devant. Pour pas qu'on le perde. Ouh, il y a du monde. Toi. Et ben je crois qu'on a trois crânes. Nos trois crânes est un serpent doré ici, si jamais tu veux le récupérer. Alors, je mange ma banane. T'as récupéré le dernier? J'ai pris le crâne, ouais. Un chapitre 2. Chapitre 2, donc pas dernier chapitre. Voilà, parce que sinon l'épisode... Est-ce que je ramènerai pas le bateau? Je sais pas si c'est forcément très nécessaire. Je sais pas, il est si loin que ça. Ah, oui. Ça peut être intéressant de le faire. Je transfasse tout là. Ça peut être en effet assez intéressant. T'avais déjà emmené un crâne, hein, c'est ça? J'ai un crâne avec moi, en effet, oui. Je cherchais déjà le serpent. Il y avait un doré là où on se battait, non? Si, si. Ah, il est là.
Attends, je fais demi-tour avec le navire du coup, vu que j'y suis. Mais effrayé le serpent. J'ai fait un de ses bons sur la chaise là. Prank. J'arrive avec le bateau, t'es gâté. Oh mais je vois rien avec ce truc là. Petit cochon. Oh le cochon noir, viens là. T'as une cage à cochon? Ah non, c'est un poulailler. Oui, c'est une cage à poulet, ouais. C'est celle que j'ai trouvée. Ouais. Stop. 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 Okay. Oh, mais... Mais bon, vu qu'il y a un chapitre 2, je me dis qu'on va bien trouver un poulet. C'est tout là, hein. J'ai tout mis là. Dès quand j'arrive. Laisse-moi tranquille. Wouhou ! Il y a un serpent à bord ? Oui, dedans. Alors tu fais attention, le serpent il attaque de haut comme de bas. Il s'en fout du plancher. Hein. Tu le mets à la vigile. Ah bon? Et oui, tu le mets à la vigile, il attaque en dessous. Hein. Il s'en fout. Tu D'accord. Où ce serpent? Ok, je le vois. Je vais faire une petite musique avant de le prendre. Ouais. Je le prends pas, tu te démerderas avec ton serpent. On prend la cage, non? Bah tu le mets, moi je te dirais bien à l'avant du navire. Hein. Alors, attends. Ton serpent. Le petit poulailler. Voilà. Je l'ai bougé ton crétin là. Très bien. Très joli. Ah. J'entends une statue, non? Très très joli. Attends, arrête la musique. Oui, j'entends une statue là. Où ça? Je sais pas. En tout cas, il y en a une. Je la vois. Tu la Elle vois. Est là. J'arrive. Oui. Alors je vais juste prendre l'air en descendre. Hop. Ok, le piqué tout droit. Ah oui, nice. Ouais. En effet. En effet. Ouais, yes. Conjurateur de malédiction d'émeraude. Félicitations. T'as déjà les trois, toi? Trois fois? Je sais pas si j'ai la rubis. Mais oui, si je dois tous les avoir. Ah, mais attends, moi j'avais vu que les bleus et les verts, non? T'as pas vu de rouge? Je crois qu'on en a pas fait. Je crois qu'on a pas fait de rouge, hein. Le rouge j'ai 3 sur 3, le bleu j'ai 3 sur 3. Et ce sont 3 vert, sirènes 3 en sur rubis. 3. Les sirènes? Rubis? Y'a des sirènes? Non, 3 sur 3. Nous on a détruit des statues. On a détruit 3 statuettes de sirènes maudits, 3 statuettes de saphir maudits. Attends, il faut en détruire. Émeraude maudit. 3 statuettes de sirènes de saphir maudits. Ah oui, 2. Non, ok, c'est vrai. J'en ai 2, je sais pas te dire c'est quoi. Obtenu les promotions de maître conjureur de malédiction, 3 sur 0 sur 3. Pourquoi 0 sur 3? C'est lesquels? Ah, c'est ça, maître.
La statuette, et là, c'est détruire les 3 sirènes en rubis maudit. En fait, t'as les 3, et puis après, t'as le grade à 15. Le grade à 15, c'est le grade de maître. Du coup, t'as un galon pour ça, et ensuite, t'as détruisé 100 statuettes de sirènes maudites. Ouais, mais attends, là, c'est les statuettes. Quoi. C'est les statuettes. Après, regarde, détruire 3 sirènes. Oui, mais c'est pareil, c'est des statuettes de sirènes, en fait. Ça ne change rien. C'est des statuettes de sirènes. Tu te fais du mal pour rien, monsieur. Oh putain, faut encore qu'on est sur Crook Solo, des bons, c'est le dernier skeu. C'est où ça? Je l'ai perdu. Crook Solo. Là où tu l'as mis. Là où t'as laissé Crook Solo la dernière fois, c'est toujours au même endroit. Ah, c'est en face de nous. Eh ben allons-y. Allons en face de nous. J'ai un petit air de pipé, j'en dois. De toute façon, ils sont tous ils sont tous sur l'event là. Je pense. Ouais, il y a du monde. Il me semble que c'est ces îles là sont là. Patrick. Ah ouais, c'est à l'event. Ça y va. Il y en a deux. Miss White. L'event est fini. Bonjour les embrouilles. J'ai lâché la note. Jetez l'encre! Bah, pas sous le canon! Pas sous le canon, couillon! Hey. Jetez l'encre! Et. Non, bah attends. Oh là là. Ah, bah on les enverra encore! Hein. Ça, c'est Rage qui était compagnie. Tu dis déjà, vous dites bonjour YouTube. Ah, ouais, bonjour YouTube. Voilà, ensuite tu te présentes, déjà tu dis bonjour, commencer. Je suis Mage Kit le traître. Ah, bonjour, je suis Mage Kit le traître. Donc, enchanté. Aïe! Cet homme tellement déçu en fait. Et ensuite YouTube te juge en mettant dans les commentaires j'ai la voix du génie d'Aladin. Ah mais ça tu sais que c'est. Mais il y a grave de monde qui me l'a sorti, ça c'est un film. Mais oui mais t'as la voix du génie d'Aladin. Mais ça faut arrêter avec ça là, et partout où tu vais, genre mais même dans les mecs. Écope Mashkit, écope Bap Mashkit Boobies, pareil, aucune différence. Écope. Alors okay, Boobies, okay. Je veux pas dire mais il t'a appelé Mashkit. Aucune différence. Pas sûr, hein. Comme ça, tu vois, genre, mais je crois qu'il t'a appelé Mage Kit. Ouais, mais vous n'êtes que tous les deux là, vous êtes sur un sloop. Oui. On est sur un sloop. Ouais, moi, à l'époque où je vous ai connu, vous étiez des frères, avant que tu sois un traître. Avec Boobies, salaud. Salaud. Oh, tu sais, ça va, ça vient. Tu l'as installé, Mage Kit? De quoi, sur Steam? Ouais. Nope. Oh, c'est bon. Ah. Ça, c'est la faute à Boobies. Je pourrais vous rejoindre si ça vous intéresse. Ah, bah, moi, tout m'intéresse. Tant qu'on joue à Swifties. Mais il nous manquerait une personne, tu sais, pour... Tu veux dire que Mage Kit était trop radin?
Alors, ça, c'est une grande possibilité, oui. Alors que le jeu, alors que le jeu est seulement à 34€. Même le season sur pas le game pass. Non, mais même s'il serait à 5€, à mon avis. Mais quitte, il est pauvre. Mais je vais tranquille. Oh, mais t'as mis. Mon dieu. Mytho. On te croit pas. Je quitte, il est pauvre. Je suis pauvre, les mecs. Attention, là, il y a le Grénocide Sauvage. Donc, Grénocide Sauvage, tu as le droit de dire bonjour YouTube. C'est une façon de dire bonjour. Voilà. Le bonjour YouTube de chez Gréno. Incroyable, ces épisodes du bordel, comme d'habitude, vous direz je viens gaming, mais vous avez l'habitude. Incroyable. Pas une moyenne en stream sur YouTube et tout, et les droits d'auteur, putain. Et Géno, va falloir qu'on parle après. Et on est en stream sur YouTube là, ou je sais pas quoi, en vidéo là. Bien sûr, bah vous aviez pas qu'à squatter ici, cassez-vous. Ah, si vous voulez pas apparaître sur YouTube, barrez-vous. Surtout toi, ma chérie. On pourra être prêt. Je suis bien installé pour être prêt. Géno là, Géno. On est chez nous là, c'est chez moi. Ça te manque pas là, un peu, Sea of Thieves là? Non. Non, je te crois tellement pas. Voilà, réponse. Oh, t'es poulet. Vraiment, j'attends que t'aies du contenu, ça. Mais là, t'inquiète, tu peux déjà le prendre là. Le 31, il y aura du contenu, t'inquiète. Il y en a déjà. À moins qu'ils me disent qu'il a déjà fait les trônes, qu'il a déjà fait les statuettes de sirènes. Ouais, okay, je veux bien. Mais s'il les a pas faites. C'est toi qui tire là? Non, c'est des squelettes qui me tirent dessus. Ça parle de statuettes de sirènes. Mais t'es où? Dans une caverne. Je t'abatte des squelettes. Je veux bien que tu ramènes la cage de poulet d'ailleurs. Si jamais. J'imagine la grosse sirène aux fans, hein. 14, tu sais, qui te fait de l'œil sur un rocher. Je vais bien me laisser frotter ta nageoire. Oh putain. Avec plaisir. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous. Il se passe un truc. Il fait bien son plan. Ça dans le sens de l'écaille. Oh putain. Ça caresse dans le sens de l'écaille et tout, là ça rigole plus. Est-ce que tu es la cage de poulet avec toi, mon boobies? Non. Est-ce que t'as trouvé déjà le capitaine? Non, j'ai pété 3 squelettes ou 4 squelettes. Je vais chercher la cage de poulailler. Je veux bien. Je suis dans la caverne sous l'île. Et je sais pas pourquoi il y avait des squelettes spéciaux, mais pas de capitaine. Personne qui pop. C'est bizarre. Il doit en rester un, peut-être. Hein, ça pop. Où est le poulailler? Poulailler. Et j'ai la musique de comme s'il y avait un capitaine qui allait popper, mais. Personne ne peut. Ah si, bah ça y est, voilà les emmerdes. Non, non, mais non. On m'a explosé la gueule. Ça se place. Tu t'en pas la playlist là? Ça se place plus. Ça se place. La petite playlist là? Ça se place. Ça m'arrive. Ça se passe bien dans ma caverne. La musique de base du jeu là, du capitaine. T'es où? T'es où? La première fois que la musique elle s'enclenche. Alors Mashkit, tu vas pas jouer à un jeu qu'on n'a pas, Mashkit? Qu'est-ce que tu fais encore là, Rashkit? Rashkit, il est bon, laissez-le tranquille. Est-ce que tu nous accordes 3 souhaits? 3 vœux? Il faut que t'apprennes par cœur les répliques du génie. Non, oh le poulet. Ah si, et je te jure, tu les apprends par cœur les répliques du génie, t'apprends le ton, et les gens te diront, tu es le génie de la lampe. Ouais, mais bon, ce que vous savez pas, c'est que j'ai... Là, il fut une époque, je travaillais sur Paris en tant que doubleur hein, pour les films. Pour les films de porno? Non, pour les films Disney, ça tu le savais pas ça. Mais non, tu mens. Vous avez un défi. Tu pourrais c'est tellement. J'avais déjà entendu ta voix dans un film de cul des années 40. Bande de salope. Les 40. Tu sais, les vieux films, je t'ai dit là. Les blousons en cuir, les cheveux bouclés, tout ça. Vintage. J'ai des réflexes qui étaient enfoués de moi quand même. Alors, tu vas où avec ta cage de poulet? Tu vas où avec ta cage de poulet? Boubis! Mais non, il est noir celui-là! Lâche-moi cette merde, j'ai vu des dorés! Mais non, il est noir! Il est noir celui-là, lâche-moi cette merde! C'est vraiment insistant ce que tu dis! Ah putain, voilà, je me suis fait piquer par un serpent! Et où le crâne? Dans la grotte. Pas celle-là, l'autre. Là où t'entends la musique de fact. Ah, mais c'est du serpent, je vois rien là! T'entends rien du tout là pour l'instant! Mais si, mais viens sur moi là.
Comme ça, là, à chaud, peut-être, attends, peut-être commencer par les préliminaires, je sais pas. Mais non, viens directement chez moi, là, arrête de faire ton cinéma. Oh, oh putain, il est chaud. Arrête de faire ton mec. Ah, il fait des avances et tout, comme ça, franchement, je dis boobies. Le mec, il dort sur sa troisième d-ball. Là, tiens, vas-y, à gauche. Vas-y, c'est au fond, à gauche. Ah, au fond, à gauche. Ah, c'est là. Puis au moment où on entend un coup de feu, bravo. Mais tu laisses de travers. Ah, c'est ça, ça arrive. Tu sonnes, c'est ta coulisse, tu te glisses le long. Géno, j'ai envie de jouer avec toi, à Sea of Thieves, là, nous aussi. Arrête de mentir, là, arrête de mentir. Non, c'est pas moi. Oh putain, le baril. Les gens qui mentent. Alors là, Géno, pour le coup, je peux être témoin. Et en vidéo, bon, ouais. Et en vidéo, Poubiz a parlé de ton aventure, Sea of Thieves. Et comme quoi vous tryhardez en PVP comme des cochons. Tout ça, tout ça. Tu peux pas mentir, Geno. Ça, c'est vrai. Oh. Ça te manque, Geno. Tu veux acheter ce jeu à 800 euros la minute. Je paye en plus la minute. C'est 34 euros, Geno. Hein. C'est moins cher qu'une femme, Geno. Oh, attends, il y a quelqu'un qui a. C'est moins cher qu'un gars, Geno. Je suis en Dark Zone. C'est moins cher que la fibre tous les mois. Ah, je donne-toi, ça vaut le coup. T'es où, Norfang? J'arrive en courant, j'ai posé le poulet, j'arrive. J'ai même pas eu le temps de boire du rosé, mec, pour donner une idée. Alors, ça se passe là-dedans. Salut, mon buise. Oh putain, on voit que dalle. Vas-y, prends une banane. Banane. T'as pas de banane? J'ai plus de munitions par contre. Vous avez fait des combats. On est en plein dedans. Enfin, on est contre des squelettes. Oh non, on est en train de jouer. Contre des joueurs, ça m'intéresse pas, mais Je t'expliquerai bien que tant que je fais de la VOD, me taper contre des connards, ça me fait ramer du fion, mais. Ah, ça fait la guerre infinie, mec. J'en ai un streamé, j'en parle même pas, mais bon. Vas-y, je t'en prie, prends le crâne. Il en manque encore. Je rappelle, ah non, 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 il y en avait qu'un, j'ai rien dit. Un peu. Après, il faut qu'on aille sur une petite île, aller chercher un trésor, et on a fini. À dernier chapitre. Non, pourquoi? Sur Thief's Haven. Eh, là, il y a un trône. Là, il y a un trône, mec, sur Thief's Haven. Je te le donne, le trône. Ou là, c'est mon cadeau. Ok. Je te trouve le trône. On va voir Geno assis dessus. Geno, sur son trône. Il est trop pauvre. Il a lâché son cake. Il est trop pauvre. Il peut pas raquer 34 pas balles. Trône, mais grave, je vais aider tout par terre. Mais viens, sur Sea of Thieves, Geno. C'est parce qu'il a acheté The Division. J'en suis sûr, t'as même pas arrêté l'abonnement. Même pas, je suis tellement pauvre, j'ai même pas acheté. J'en suis sûr. Il a raqué The Division à Mashkit. Oh là là. Même pas. Même pas. Je savais bien que t'étais une pince, Mashkit. Ah, mais bah, j'ai vu jusqu'au bout. C'est le mec, tout est une bonne excuse. On peut peut-être. Donc là, il faut qu'on cherche un trésor. Laisse-moi jeter un œil. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. Là, tiens, va-bas, en bas. Et il faut qu'on aille là. Là. Ouais. Il faut qu'on aille sur les deux. Sur Kulaskei, on a un trésor. C'est la petite map qu'on a. Demi-tour. Demi-tour droite. Je te jure, un jour on rentrera pas et cette quête se terminera. Et je vois ta carte, t'inquiète. C'est là. Il y a un où est la croix. Te trompe pas. Je sens que t'as envie de te tromper là. Arrête de te tromper là. Regarde bien. T'es sûr t'as pris l'info là? Non, je suis pas sûr. Je vois plus que l'info. Ah, excusez-moi, le serpent veut de la musique. Je suis dans les zones. Bon, Geno, c'est quand que tu viens couler des bateaux avec moi là? J'ai pas envie de jouer à Sea of Thieves. Tu veux jouer une semaine? T'es dégoûté. Tu voudrais tellement jouer avec nous. Une semaine, c'est une semaine, hein, tu sais, avec Mashkit, c'est long une semaine. Hein.
Bah, je me bats pour jouer une semaine au même jeu avec Mashkit. Tu es Mashkit. J'avoue. Mashkit, en une semaine, il passe. Une semaine, t'attends de faire plein de choses, hein, putain, parce que. Ça dépend si j'accroche un jeu ou pas réellement. Ah, oh, pareil. Mais t'accroches plus rien, t'es vieux. En une semaine, Mashkit, t'as pas le temps de demander à un pote d'acheter un jeu genre Divinity Original Sin 2 et de finir le jeu entre deux. Oh putain, alors ça, ça va rester encore. Ah, ça, ça le coup de Divinity, c'est un petit peu la baie des cochons de Boubou. Ça, mec, film, ça mec, dis-toi bien, c'est resté dans ton anal. À tout jamais. Ah ouais, non, mais moi, ça, ça. Ah, un gars, il y en a. C'est l'épisode de la baie des cochons de Boubou, tu vois, genre, c'est un film. Oh, il est loin, mec. Deux gagnons, t'as foutu sur la gueule, gros. Jean-Darkson. Ouais, attends, je pose ma merde déjà. Ils ont le butin, à mon avis. Je me suis fait un spécial PVP Darkson en plus. Je pense que dans ce cas de figure, mec, si c'est pas l'un qui l'a, c'est l'autre. Et dans tous les cas, l'un va bien taper sur l'autre et vice versa. Geno, j'ai envie de jouer avec toi, c'est hostile. Waouh. Est-ce que tu veux pas jouer avec le smartphone, c'est ça? Ok, d'accord. Non, mais je rage quitte. Mais je rage quitte, ok. Mais tu comprendrais tellement ce que c'est. Je rejoins le Mashkit. Avec Mashkit, on s'en fout un peu, il est pas tellement fort, mais Geno, il est badass. C'est juste pour ça qu'il veut que je vienne en fait, parce que c'est juste le légendaire Geno. Sinon, on s'en fout. Pourquoi t'es un grand joueur de Fortnite? Oh non. Fortnite. C'est quoi? C'est un jeu FPS pour des gamins qui ont pas d'argent. Je connais pas Fortnite, j'ai jamais entendu parler. C'est pour des gens qui ont pas d'argent. Geno, t'as pas d'argent, Geno? Putain, mais je suis riche de tellement d'autres choses. Ma maman me dit que j'ai un grand. Compte en banque. T'as vu, oui, dit que t'as un grand compte en banque. Bah, en fait, Geno il a le cœur, tu vois. Et Mashkit il a l'argent, tu vois. Ils font la paire. Oh, mec, y a une statue là-dedans. Tellement de seum envers moi. Mec, regarde, t'as vu, y a une statuette ici. Tellement de seum envers moi. Et c'est toi, Barry. De pas l'exploser de snipe. Bien joué. Mais je suis chaud au pistolet en fait. Oh putain, mais ça fait tellement de décalade dans ce jeu, quoi. Darkzone, Darkzone bébé. Mais j'y suis, mais je pars. Ah non, c'est passé, fais-moi confiance. Fais confiance. Le bateau bouge. Ouais. Ou par contre, putain, je prends très cher. Ça se voit que je suis tank. Ouf, la vache. Ah ouais, je m'approche de toi, je gagne des aides. Non, mais les filles, vous êtes gentils, on tourne un épisode là quand même en fait. On a pas. Ouais, mais en fait, on invente un nouveau type de vidéo, c'est le crossplay, le playing. Tu vois. Non, mais les mecs, on touche pas vos russes, hein. Cassez-vous. Cassez-vous! Et n'oubliez pas de foutre un pouce bleu! Attends, bouge pas deux secondes. Ou alors achète Sea of Thieves. Crevard. Je suis pauvre, que tu le comprennes. Comment ça, t'es pauvre? Va te trouver un travail en boucherie, va tuer quelques vaches, vas-y, c'est vegan, c'est autorisé. Bon, c'est peut-être pas très vegan. Non, c'est pas autorisé. C'est autorisé par la loi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah okay. Oh putain, t'as vu ça. Ah! Ah! Oui. Bah, fais quoi, on remonte, Geno, du coup? Fais-moi des bruits comme ça. Sea of Thieves. Quoi? Allez, on remonte, du coup. Attends. Connaissez-vous Sea of Thieves? Hop, j'ai le coffre, c'est bon. On se casse. Connaissez-vous la sainte parole de Sea of Thieves? Et bon, on a encore chopé une statuette pourtant. Oh putain, y'a Galim qui arrive. Dites, reviens. Démarre sans moi. Y'a les deux qui arrivent en plus. Y'a les deux galions. Démarre sans moi. Il faut l'enfoncer. Démarre sans moi. J'essaye. Lève cette putain d'encre. Il y a les deux galions derrière nous. Mais dis pas qu'ils sont ensemble, c'est pas possible. Flunchy. Need help. Je vous demande si vous avez besoin d'aide. Do you understand what I say? Hello, guys. Do you have a problem? M'en fous, je le brain. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un sur ce bateau qui comprend ce que je dis? Hello, friendship? Friendship! Tu vas me dire que les deux galions sont ensemble là, non? Non, ils se poursuivent. Tu crois? Non, je suis pas sûr. C'est pas je crois. Ils se poursuivent. Enfin, ils se poursuivent. Disons qu'il y en a un qui poursuit l'autre.
Ouais, il y a, surtout j'ai l'impression qu'il poursuit l'autre, il poursuit nous, tu vois. Alors qu'il se fait poursuivre, il nous poursuit, tu vois. Maintenant, il essaye d'être sous le vent en fait. Je pense. Je pense pas qu'il. Regarde, ils se tirent dessus, ils sont occupés. C'est pas notre problème. Où va-t-on, capitaine? Je sais pas, normalement on a une mission à faire là. Oui, à Crux, à Tivzaven. C'est l'île à gauche. Et ben, go. Et il faut que tu passes au sud de cette île, sauf erreur de ma part. Hey, il nous suit vraiment, les deux, l'autre, hein. Il nous suit. Disons qu'il y en a un qui nous suit. Ah, ça, on a barré l'explosif. Non, hein. Non. Qu'est-ce et tu sais qu'il y a encore un galion à gauche, là. Hola. Bonsoir. Quelqu'un me le reçoit. Putain, il y a trois galions, il y a encore un autre galion là-bas, j'avoue. Mais oui. J'avoue, vous êtes trop de galions, les mecs. Faut le lever de pied, les filles. Putain, ils ont accéléré à la vitesse. Comment des on parle dans le bord là? Moi j'ai mis alt. Mais c'est moi. Allô? Allô? Putain, mais ne dis pas qu'ils sont ensemble et qu'ils font la chasse des trônes. Je sais pas, en tout cas, il y en a un qui nous suit. Ok. Passe au sud de cette île. De ces morts. Ouais, c'est un combat quand même. Hein. Passe au sud, passe au l'eau sud. L'eau devient bleue là-bas, non? Passe au sud, passe au sud, passe au sud. Là, t'inquiète, tu vas sur un banc de sable. Tu vas sur un banc de sable. Oh putain, le fight qu'il y a là-bas là. Ouais, c'est pas grave, trois bateaux, là. C'est que des bolos. C'est des bolos qui tapent sur des bolos. T'es caté. Tout va bien se passer. On se cache derrière l'île. Oui. Là qu'on les voit plus, on a marre. Non, n'amarre pas tout de suite, n'amarre pas tout de suite. Attends, c'est quoi, on va aller là-dedans? Chut, non, tu vas pas là-dedans. Si. Non, on va être bloqué là-dedans, tu vas pas là-dedans. Va pas là-dedans, longe. Oh putain, il y a une statue là. Il y a une statue, mec. Il y a une autre statue à gauche. Il y a une autre statue à droite. Jette l'encre, braque à droite et jette l'encre. Braque à droite. Ok, go statue de gauche. Et après, on lève l'encre. Ok. C'est une statue verte, mec, tu vas la voir. C'est pour toi, c'est pour les frères incarcérés. T'es caté. Et bientôt, il y en a une deuxième là, regarde, juste à gauche. Oui, on va s'en occuper. Gère celle-là. Ok, go, rush l'autre. Là. Là. Où ça? Là? Il y en a encore une seule. Là, regarde juste là. T'es sérieux? Ah oui, putain, merde. Ah oui, il y a trois statuettes, quoi. Vas-y, go. Mais oui. Go, je vais dessus. Je la tabasse comme jamais. Ok, la dernière. T'as les trois statuettes, quoi, n'importe quoi. Ouais, y'en a plein, hein. Oula, attends, j'entends des boulets de canon, là. En même temps, il y a un succès pour en détruire 100. Ça se met sur la gueule, là, l'autre côté, hein. C'est pas grave. Ils sont pas loin, hein. C'est pas grave, on finit ça. Nous, on trace. Genre, on est pas là, ils ont rien vu. Ils ont jamais rien vu. On n'a jamais dû. Ok. Prends-toi une banane, on remonte sur le bateau. Ça va bien se passer, t'es caté. Parce que mec, les statues, c'est que tu les défonces et après t'es tranquille, t'as pas besoin de ramener les trucs et tout. Ouais, c'est clair. Oui, mais c'est clair. Il faut des bananes. Tu vas où là? Faut qu'on aille tuer le capitaine sur cette île. On zappera le capitaine si c'est nécessaire. Mais non, mais attends, on peut le faire là. Ils sont en fight les autres. D'abord, on va faire ton trône. Que je te montre à quoi ça ressemble, un putain de trône. C'est sur cette île? Tu longes la côte. Oui, c'est sur cette île. On va y aller mollo. Je te descends la voile, on s'en fout. Vas-y. Pas mal.
Là, je suis le contour de l'île. Serre à gauche. Il est là, sauf s'il a changé de place, mais sinon il est toujours là. Il est là. Ok. Tu vois, juste après ce bateau en bois, il y a un caillou avec un trône en bois dessus. Ouais. Ok, ralentis. Ralentis. L'objectif c'est de. Bah attends, je peux pas faire la voile et le gouverneur en même temps, gros. Réduis la voile à fond, même si. Mais attends, je peux pas faire les deux en même temps. Ok, vas-y, réduis la voile. Ok, je vais aller taper une fois que j'aurai tapé. Une fois que j'aurai tapé, tu jettes l'encre. Tu peux jeter l'encre. Il y a le galion là. Ok, normalement là tu peux monter au-dessus de la voilure et sauter sur le truc. Vas-y. Et tu t'assois dessus. Tu fais W et tu fais s'asseoir. Ok, c'est bon, j'ai rien perdu. Nice. Moi j'ai pris 10 obus sur moi, si jamais ils veulent m'emmerder, qu'ils se lèvent de bonheur. C'est bon, tu l'atteins le truc? Assieds-toi dessus. Bravo, tu peux revenir à bord. Ça sert à quoi? Bah ça t'a débloqué le trône de cette île. Et donc ça te qui sert hein à te donner des points auprès de la guilde des machins, le succès, héros des trônes comme moi je m'appelle, tu sais, moi je suis héros des trônes, tu sais. TMTC. J'espère que t'es remonté. Est-ce que tu veux qu'on reste là et en fait et qu'on fasse le capitaine? Bah ouais, mais là l'autre il nous a en vue quoi. Tu veux aller faire le capitaine ou je fais le capitaine? Enfin, il y en a qu'un, nous deux qui quittent le navire, on dit. Vas-y. Il y en a un qui fait le capitaine, il y en a un qui reste au navire, je pense. Ok, vas-y, je plonge. J'espère que je fais le trou. Vas-y. Je reste là, moi. Bon. Ok. Je vais pas y aller parce que moi je rame du fion, je suis naze. Mais bon. J'aurais pu y aller hein, si tu voulais. Ouais, c'est pas grave. Si je crève, je réapparaîtrai dessus, c'est toi qui iras. Je surveille de toute façon le galion là-bas. On peut grimper par là. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun putain d'intérêt. Donc ça m'a fait gagner des points sur, oui, sur les trucs de fond de cale, c'est ça? Tu regardes fond de cale et normalement tu as eu le trône de Thieves Haven. Tu peux faire tous les trônes solo comme ça, et par contre il y a les trônes squelettes qui nécessitent d'être deux équipages. Et que moi j'ai fait avec Event Calypso, à qui je fais des gros bisous, même s'il est russe, et que je pense pas qu'il regarde cet épisode. Ok, je fais des gros bisous parce qu'on s'est bien éclaté. C'est bien amusé. Même si on s'est bien fichu aussi. Faire les trônes, c'était cool. Et les rubis, on en a pas encore vu, non? C'est des rouges, c'est ça, les rubis? C'est rouge, moi j'en ai déjà cassé 3. Donc attends, il y a les bleus, les vertes. Et les rouges. Ah ouais, on en a vu aucune. C'est le plus rare, je pense. Je sais pas si c'est le plus rare, mais en tout cas, c'est le plus solide. Le galion bouge toujours pas, hein. Je pense pas non plus. Je pense qu'ils sont tous très occupés entre galions. Ils ont des choses de galionneurs à gérer entre eux, tout ça. C'est des gens extrêmement occupés. Ils ont pas de temps. Ah, je vois un sloop au loin aussi, très au loin. Un sloop de Guilag? C'est que les sloops, quand tu les coules, en général, c'est ceux-là qui font les quêtes, tu vois. Avec les... Ils ont tout le temps de masse de trésors sur eux, les sloops. Ouais, c'est ouf. Faut pas couler un sloop, justement. Je trouve que ça se fait pas. Autant les galions, je trouve que c'est des gros connards, il faut pas hésiter à les couler. Après, c'est un jeu de pirate, tu vois. Ouais, moi je suis un corsaire, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, moi je suis un pirate. Moi pas. Je récupère ce qu'on me donne à trouver. Je trouve que, en fait, je pense que dans ce jeu, si tu veux, il y a assez à ramasser sans avoir à se faire chier à piller les autres. Ouais, mais attends, c'est épique les combats. Ils sont épiques dans ce jeu. Ah bon? Bah, j'ai pas de problème. Ah ouais, nous on a fait des combats. Je trouve plus dur d'affronter des vagues de squelettes des capitaines que de me taper deux joueurs sur un sloop, quoi, tu vois, à 4. Ah oui, mais attends. Oui, mais quand t'es galion contre galion, c'est autre chose aussi. Galion contre galion, d'accord, mais. Mais là on est en sloop. Par contre, quand du coup, si on attaque un sloop, c'est un sloop contre un sloop. Ouais, voilà, mais bon, je trouve que 2 contre 2, y'a rien d'épique, quoi.
Non, c'est un peu moins épique les sloops, ça c'est sûr. C'est 4 clodos qui se foutent sur la gueule, quoi. À tour de rôle, quoi. Bon, bah, moi je veux bien le trouver, le capitaine. Mais il faudrait bien que le capitaine de Grange le trouve. Bon, c'est un tour de l'île, intégral. En tout cas, les trois statuettes là, c'était plaisant. Putain, j'avoue. L'un à côté de l'autre comme ça. On n'a pas vérifié s'il y en avait d'autres. Je t'aurais bien dit que j'y vais, mais je préférais ce bateau. Oui, au mieux. Tu voudrais pas avoir une mauvaise surprise. C'est clair. En descendant du navire. Bon, il est où ce capitaine de ces morts? Excusez-moi, auriez-vous vu un capitaine? Je dirais que ça doit être là. J'espère que c'est là d'ailleurs. Parce que là, c'est en train de casser le noix. Ah, ça y est, il bouge le galion. Je le surveille, hein. Alors, il vient droit sur moi. Bah, dégage, dégage là. Fait comme si je n'existais pas. Qui moi il va droit là. Au passage, hein. Non, zap, moi je suis en train d'essayer de faire si je peux sortir le capitaine avant que tu fasses le tour. Je suis pas mal. Et dans ces cas, j'essaierai de rejoindre avec le crâne. Bonjour oiseau. Dis bonjour à YouTube. Dis bonjour à YouTube. C'est quoi tous ces gens qui nous parasitent? On aurait dû se mettre sur le comme d'habitude Discord. Tu veux jouer? Putain, y a une même statuette là où je suis. C'est toi qui tire? Non, c'est un canon. De squelette? PNP, ouais. Sur toi? Ouais, attends, je tire l'encre. Écoute, là, y'a pas de bateau. Putain, ça... j'ai pas eu le temps de manger une banane. Y'a un. Sea of Thieves, ouais. Sea of Thieves. Ah ouais? Ouais. Vous êtes que deux? On est que deux. On est que deux. Et on essaye de démonter notre capitaine. Et dis-toi que là où je me frite, y'a encore une statue dans l'eau. Vas-y, prends. Il si tu les détruis. Tu peux en avoir jusqu'à 3 par une. Non, si bah, tu les, la si, les... Ouais, voilà. Si tu les détruis, ça me le fait aussi. Oui, bah oui, puisqu'on est en équipage normalement. Oui, c'est 50%. Ça
avec. Oui, puisque regarde, tout à l'heure on a tapé sur la même et c'est pas le dernier qui l'a tapé qui a eu le truc. Hein. C'est toutes les teams. Ouais, oui. Le 31, il y a les flottes. On va faire des flottes de plusieurs bateaux. Yes. Yes. Et ça, je pense que Oiseau, c'est quelqu'un de motivé pour Sea of Thieves, tu vois. Oh putain, bah, Oiseau et Saumon et Clair. Non, mais sérieusement, on va monter des teams. Un galion. Oui. Bah, on finit juste la quête alors parce qu'on est en plein tournage d'épisode, tu vois. Oui, c'est pour ça que tu dois dire bonjour YouTube à la base. Ah, bonsoir. Oui. Pas de soucis. Voilà, tu peux leur dire de mettre un pouce bleu et de s'abonner. Broche la grande puissance. Je suis paumé là. Je crois qu'on va faire tour avec le bateau mec. L'eau, quoi. Parce que je suis paumé là. C'est le bruit là. Pourquoi il y a de l'eau qui le rentre dans le bateau? C'est pas normal. Parce qu'il pleut pas. J'allais dire peut-être qu'il pleut, mais non. Il ne pleut pas. Ah, mais on a un trou là. Ok. Putain, j'entends une sirène. Attention, il y a un. Il y a un batal dans le coin. Attention, il y a un batal dans le coin. Il y a un bateau? Il y a un galion qui vient droit dessus. Il me voit là? Face à toi. Ouais, je le vois. Mais attends, il m'a pas vu, je crois. Ouais, t'as peut-être pas encore vu, mais fais gaffe, il a toutes les voiles devant lui. Ouais, j'ai vu. Ce jeu, c'est de la dynamite. On va le laisser passer, hein, tant qu'il tourne pas. Ils ont rajouté les dernières extensions, je trouve qu'ils ont des extensions pour de petits nouveaux events les uns après les autres, pas deux semaines les uns après les autres, c'est ça que c'est. Les galopins, ça peut rassembler les gens, les squelettes, ça part comme ça. Alors j'entends pas du tout ce que tu dis, mais on est d'accord avec toi. On est complètement positif et d'accord. Il est en fight. Ouais, bah c'est là, je suis en train de taper le capitaine. Là, c'est bon. C'est bon, ils ont tracé tout droit. Oh putain, c'est joli. Ah. Oh, c'est un crâne explosé doré. Légendaire, chromé. C'est bon. Tu peux venir sur ma position, du coup. Là où c'est où? Là où t'as vu le galion, de face, quand je te l'ai annoncé. Ok, bah je suis dans la grande crique, là. Vas-y, descends. Comment ça, t'es dans la grande crique? T'es rentré dans la crique? Non. Non, c'est ça, mais je te dis, avance parce qu'en fait on va pouvoir se taper une statue. Et comme ça on redémarre tout de suite si jamais il y a quelqu'un qui se pointe. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça on laisse pas le bateau tout seul. Tu veux nous rejoindre après, Wazza? Ah mais carrément. Vas-y, on finit la quête, là on a le dernier crâne, on va rendre tout ça et on est à toi. Yes, même s'il y a un... contrat expiré. Il y a un contrat qu'on n'a pas rendu. Ah ouais putain, on n'a pas rendu notre quête de marchand, non? Allô Jean-Pascal? Jean-Pascal Bobsta? Boobies. Putain, et le bateau avance et le mec il est pas là. J'ai l'impression qu'il est levé. Oui, désolé, qu'est-ce qu'il y a? Notre quête a expiré visiblement, pourtant c'était pas une quête de marchand. Mais non, mais c'est la quête de la banane. Mais oui, c'est la caisse de banane. Non mais tout droit mec, hey, tu vois où je suis là? Allô? Ah allô, oui, t'es là, oui. Excuse-moi, attends deux secondes, il y avait ma maman. Mais tourne, connard. Ça c'est un peu compliqué de t'opérer. Il va tourner ce con. Que nous aimons très fort. Non, je te préviens, si tu tournes pas, je t'appelle Mashkit. Je te préviens. Oui, tu tournes. Mais qui tourne, il tourne comme jamais. Il y a une épave dans l'eau au loin. Et je pense qu'ils ont dû la faire. À bâbord. Oui, c'est ça, la position. Je pense qu'ils ont dû la faire. Après, s'ils ont de la merde dans les yeux, ils nous ont peut-être laissé un coffre ou deux. Vas-y, avance. Ah, vas-y, avance. Attends, mais tu me laisses gérer le bateau tout seul aussi, gros. Bah, avance. Oh putain, ça va, c'est pas un galion non plus. Parce que là, il y a une statue dans l'eau, là. Elle est où, cette connasse? Bon, je jette l'encre. Elle est où, cette connasse? Prendre le temps de faire des choses. J'ai vu une statue de ses morts. Et je la trouve plus. Ah, mais le serpent... Mais... Ah, il t'a niqué la gueule, hein. Bah oui, il a bien fait pour toi. Pourquoi tu l'as pas sifflé un petit air depuis Pé-Jambes de Bois? Mais c'est quoi l'histoire de ces sirènes là? C'est moi qui suis bourré, je l'ai raté. Oui. Où elle est ta. Je sais plus. Mais toi, tu dois.
dois l'entendre parce que tu entends mieux les bruits que moi en fait. Je vais aller voir. J'essaie de la localiser mais je la vois plus. C'est quoi ces conneries? Oh, ça j'entends rien. Ça a peut-être des pop, bon, on s'en fout. Allez vas-y, je te mets le crâne à bord, j'arrive. Vas-y j'arrive, on se casse, on est full quête. On va récupérer un troisième marin. Attends. Allez, j'ai levé l'ancre. J'essaie de voir si je... C'est le combat. J'ai levé l'ancre, allez salut. A plus tard. J'entends rien. Je pense pas qu'il y en avait une là, non? Enfin, en tout cas, j'entends rien. J'en ai vu une briller tout à l'heure, mon gars. La vérité, si je mens, tu regarderas sur la VOD, j'en ai vu une briller tout à l'heure. T'es sûr, c'était une statue? Ah, j'ai vu un truc briller dans l'eau tout à l'heure, donc. C'était un truc qui brille en bleu. En bleu dans l'eau. Ah, en bleu. Ouais, c'est forcément une statue après maintenant dans l'eau. Parce que normalement, les carafes, tout ça, ça brille en blanc. Blanc ou doré? Ouais, c'est ça, en blanc ou un espèce de doré. Parce que maintenant, vu qu'ils ont les statues, tu peux en trouver dans l'eau. Bon, bah, boobies, au revoir. Au revoir. Salut Boobies. Au revoir Boobies. Je descends les voiles hein. Vas-y. T'es sûr? Ah vas-y. Je vais checker l'épave. Je vais checker l'épave vite fait, puis après il va falloir qu'on aille vendre. À l'avant-poste Plunder normalement, mais à mon avis il y aura un galion. Pas forcément Plunder. Non mais il y a un galion surtout, c'est pour ça. Sinon idéalement l'avant-poste Plunder, puisque c'est celui qui est juste à côté. Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. C'est bon, Machkit m'a ramené sur le bateau. Ah oui, c'est vrai. Le petit bâtard. Oula, bateau carrément retourné quoi. C'est bizarre ça. C'est pas commun. Je vais le fouiller. Je vais jeter un œil. Above the world of Hades. Je suis pas sûr qu'il a été fouillé, tu vois, du coup. Parce que je me dis, vu que c'est un bateau qui est retourné... Ah, caisse de thé, ils l'ont pas fouillé. Ils ont regardé, ils ont dû voir des mouettes, ils ont dit, oh bon, je vois pas d'épave, on passe. Les noobs. C'est galère à l'envers, par contre. Hein. Ouais, c'est un petit peu galère, là, je t'avoue, j'ai récupéré la caisse de thé, j'ai du mal. Hein. Ça, c'est où qu'on descend, là? Et on a un petit peu de loot à bord, monsieur, hein, quand même. Hein. Quand je regarde, je me dis, on a looté. Hein. Lui, il a rien à foutre là. Lui, sa place, il est là. Ah, ouh, voilà. Le coffre d'aventurier là. Ah, parfait. Je t'ai dit, s'il reste un truc, hein. Ouais, t'es gâté. Hein. Remonte, t'étouffe pas. Mais y'a rien, y'a plus rien dedans. J'ai déjà plongé de toute façon. Donc, je vais aller jeter un œil maintenant. Plus rien d'autre. J'ai déjà plongé, je vais jeter un œil. Tac tac. Ah mais attends, je suis en train d'aller vers le fond là. Vite la banane. De l'air et grâce à... J'adore manger des bananes, ce qui me donne de l'air. Il n'y a plus de requins, j'en vois plus depuis avant des requins. Ils ont enlevé les requins? Non mais je pense qu'ils ont mis un peu plus de délai sur les requins. Parce que dans ce genre d'épave, tu te fais vite chier, hein. c'est des requins qui popent trop vite. Ah bah tiens, regarde, il y en a déjà un là. Il va venir me niaquer la miche. Bah non, je suis sur l'échelle. Tant pis pour lui. Trop lent. Allez, on lève les voiles. Putain, les mecs énervés, que t'es poursuivi par des gars de quoi. Mais qui font quand même tout le taf. Pas de discussion, mec. Bah. L'avant-poste. Le plus proche, ça va être plein d'air. Attends, je descends. C'est à gauche, non? C'est l'avant-poste. Ouais, c'est celui de l'avant-poste. C'est celui de gauche, ouais, c'est ça, c'est plein d'air à gauche. Et c'est alors, je vois un galion à gauche là-bas, il est à marée, je crois. Un zap alors.
Et ça pourrait aller plus loin. Non, non, mais il est pas haut à l'avant-poste. Il est sur une île plus loin. Il est sur une île plus loin. Ok. Bah, si tu sens bien l'avant-poste, on y va. Hein. C'est l'autre côté des voiles, par contre. Si tu le sens bien. Par contre, vraiment, vraiment, mets-nous du côté où il y a les marchands. Ouais, mais attends, je sais pas lequel c'est, tu peux regarder sur la carte. Bah, c'est à gauche en fait. Il va falloir que tu passes à gauche. Faut que tu passes à regarde gauche. Regarde bien, s'il y a des bateaux, tu veux pas monter sur la vigie et. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, c'est des bateaux. Au moins, on est sûr. De toute façon, si tu vois des gens, tu traces. Hein. On a assez de planches pour réparer, hein. TKT. Rien pour l'instant, nada. Comme dit, il y a le calibre à gauche là-bas. À gauche, il est long alors, parce que je le vois pas. Ah, il est long. Sur le quai, pour l'instant, je vois rien. Sur le quai, je vois rien, ni personne d'ailleurs. Sur le quai, derrière, je vois rien. Je vois rien nulle part. Pas de navire, pas de voile, pas de mât, rien. La rue est vers l'or, monsieur. C'est pas grave. Je te laisse faire la marge. Je suis sur le droit de jeter l'ancre. Non, je te laisse gérer. Moi je suis déjà à l'eau avec le serpent. Je suis avec le serpent, mec. Hein. J'ai pris le plus chiant. J'ai pris le plus relou. Hop, je t'ai vendu le serpent, tu puisses me niaquer. Culé, va. 127$, enfoiré. Orture communiste. Toujours la feuille des communistes. Ceci, joli amarrage quand même. Ah, promotion obtenue, grade marchand d'or. Bravo, monsieur. Merci. Félicitations. Et c'est pas fini, parce qu'on va avec toutes les caisses d'épices et de thé, ça va encore monter. Donc t'es passé 25, c'est ça? Ouais, ouais. Bigosse. Bon, j'ai passé 25. En fait, j'étais déjà 25, mais ça m'a donné le truc maintenant. C'est bizarre, ça. Ouais. Ok, collectionneur, caisse de terrain vendue. Voilà, la caisse de sucre, elle va pas rapporter grand chose. Ah non, c'est une caisse de bois. Ouais, il y a peut-être moyen que ça rapporte un peu. Pas en thune, mais en répute. Je voudrais voir un peu. Parce que moi, je suis toujours pas level 25, hein. C'est toujours la misère du cul. 2,84 déjà la caisse de bois, c'est pas filant. C'est pas filant. On a quelques crânes et tout quand même. Hein. Oui, surtout le crâne doré, hein. Il va ramener mon gars. Ben, on est parti sur une quête de type crâne, hein, à la base. Donc forcément ça chiffre. On a encore la petite jarre et tout à voir. Forcément ça va chiffrer. Je vois bien oiseau là quand les deux sloops ou un galion et un sloop ou un truc comme ça serait trop stylé. Ah, des petits sloops. Plein de petits sloops. Trois sloops. Trois sloops avec des équipages de deux. Ce serait ouf. Avec parce que quand t'es tout seul, t'es en galère, mais tout le temps autour du galion, t'es bon. Attends, trois sloops, c'est magnifique, trois sloops. Attends, j'ai perdu l'autre connasse, allez là. C'est quand t'as envie de chill, c'est beaucoup plus chill qu'un galion, tu sais, quand t'es plus. Mais les. T'as perdu quoi bien. Non, c'est bon, j'ai retrouvé l'autre connasse. 845, oh, crâne qui paye pas. Je vais de nouveau à 30 000. Oh, je suis dégoûté. Ah, réputation des crânes, ça monte. Bientôt je suis. Je vais passer 31 en collectionneur d'or. Je suis pas loin d'être 29 pour les crânes et je suis à 25 pour le marchand. Eh ben en vrai, quand vous avez testé ce jeu en version gratuite, vous l'avez farmé comme des porcs. Moi j'avais arrêté des coups. Vous l'avez farmé comme des porcs. On a coulé tellement de bateaux avec tellement de trésors, mec, franchement.
Mais t'imagines même pas le nombre de trésors qu'on a récupéré sur les gens. Je sais pas encore. Pire, Bobby, si tu peux, t'as des sessions, t'as des mecs qui farment, comme des bateaux. Les mecs, ils ont mais genre 50, 60 coffres. Et quand tu tombes là-dessus, mais, et qu'ils ont aussi mon kit, mais putain, mec. Laisse tomber, t'as des mecs qui se font des soupes, tu vois des photos sur Twitter, des fois, c'est impressionnant. Ouais. T'as des mecs, c'est des farmers, c'est des gros malades. Ils ont plus de cerveau, en fait. Le Zest, il marche, je crois, non? Ah non, c'est peut-être le mec qui vend des trésors. Non, non, c'est collectionneur d'or, ça. Collectionneur, je suis con. Tiens. Il reste un crâne, là. Ouais, je prends. Eh ben, on aura fait un peu de fric. Je pense aussi. Pas tant que ça. Je suis un peu déçu. Je suis presque 29. Il doit remonter la répute, quand même. Hein. Ouais, putain, parce que là, des crânes, on en a ramené. Hein. On en a ramené, je n'ai pas pris un level, quoi. C'est ça. Et on sait que je suis même pas niveau 30, hein, je suis niveau 28. Hein. Ah, les crânes, c'est tellement raide. Ah, je suis même pas 31 quoi, de collectionneur d'or. Je suis un... On voit même plus la barre. Ah, promotion obtenue, grade 2, chasseur de crâne ville. Bravo. Bon, on quitte la session et on invite. Effectivement, c'est la fin de l'épisode. Tu peux dire au revoir, Boobies. Tu peux dire au revoir, Boobies. Et monsieur l'oiseau, tu dis à dans le prochain épisode. Bye bye. Des bisous YouTube. Des bisous. Ciao.